Et seulement, vous pouvez commencer. Bonsoir tout le monde. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Sophie-des-Rats, tenu le 2 mars 2021, à compter de 19h30 et quelques, par voie de visioconférence à Sainte-Sophie-des-Rats. Présence et vérification du quorum. Madame Proto. Oui, est-ce que Madame Lambert vous êtes présente? Sylvie Lambert, présente, conseillère. Est-ce que Mme Jacqueline Lambert vous est présente? Oui, Jacqueline Lambert, présente. Est-ce que M. Serge Turmel est présent? L'honorable Serge Turmel est présent. Est-ce que M. Mathieu Fournier est présent? Oui, présent. Est-ce que Mme Nancy Cédemers est présente? Oui, présente. Merci. Alors, confirmation que tous forment un quorum. OK. Ouverture de la séance. Je rappelle aux citoyens et citoyennes que la présente séance ainsi que les prochaines séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence et ce, tel qu'adopté lors du Conseil municipal du 6 octobre 2020 par la résolution 5393-10-2020. Les conseils municipaux se dérouleront ainsi, en mode virtuel, sans public, dû aux mesures sanitaires applicables pour la COVID-19. Les ordres du jour de séance, les procès-verbaux et tous les autres documents de réglementation sont publiés au webgard du bureau municipal, ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Les enregistrements vidéo des séances sont disponibles sur le site Internet municipal. Je rappelle également que les citoyens peuvent poser leurs questions par courriel de la municipalité, en appelant au bureau municipal au 819-288-5804. Bon, nous sommes rendus à lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 1, présence et vérification du quorum, c'est fait. 2, ouverture de la séance. 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2021. 5, dépôt de la correspondance. Rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaires de la Riveraine. 6. Rapport des élus. 7. Avis de motion, présentation et adoption des règlements. À 7.1, annuler, reporter. 7.2, adoption du règlement 18.21 relatif au traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 02-2018. 7.3, adoption du règlement 13-2020, modifiant le règlement 2012-05, ayant pour objet le plan d'urbanisme. 7.4, adoption du règlement numéro 14-2020, modifiant le règlement 2012-06, ayant pour objet le zonage. 7.5, adoption du règlement 15-2020, modifiant le règlement 2012-09, ayant pour objet les permis et certificats. 7.6, adoption du règlement 16-2020, modifiant le règlement 2012-14, ayant pour objet les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Au 7.7, adoption du règlement 17.20, c'est-à-dire modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2012-13. Au 8e point, administration générale, à 8.1, dépôt des frais de kilométrage. 8.2, déclaration d'engagement, intimidation envers les élus et élus municipaux, dégradation du climat politique de nombreuses municipalités. À 8.3, ouverture du poste secrétaire et adjointe administrative. 8.4, restauration des planchers usés au bureau municipal. 8.5, achat d'une armoire de rangement. 8.6, appui envers la campagne vers les collectivités durables. 9. Gestion financière et administrative, on y retrouve à 9.1, approbation des comptes à payer. À 10, sécurité publique et civile, 10.1, rapport annuel d'activité incendie 2020. 11, au transport réseau routier, on a le 11.1, signature du protocole d'entente relatif au dossier 2027-123 pour le FIMO. À 11.2, signature du protocole d'entente relatif au dossier 2025-127, primo, volet 2. À 11.3, modification de reddition de compte RIL 2018-768. 11.4, achat d'une scie à béton avec chariot. 11.5,
achat de panneaux de sécurité et de signalisation. 11.6, reporté. 12, hygiène du milieu santé bien-être. À 12.1, on retrouve achat de trousses de premiers soins. Et à 12.2, participation à l'activité bénéfice Fondation Santé, Bécancour-Nicolet-Yamaska. À 13, aménagement, urbanisme et développement, on y retrouve à 13.1, permis de février 2021. 13.2, conformité au règlement 13-2020 modifiant le plan d'urbanisme 2012-05. À 13.3, appui à l'organisme uni pour la fonde UPF. À 13.4, demande de financement fonds verts est reportée. 13.5, demande de financement à la FCC initiative s'est reportée. Et à 13.6, modification avenant d'horaire aux plans et devis reporté. À 13.7, mandat de simulation énergétique. À 14, loisirs et culture. À 14.1, on demande de financement patrimoine canadien au Fonds du Canada pour les espaces culturels, le Carrefour 1901. À 15, varia ouvert. 16, période de questions et 17, levée de l'Assemblée. Vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur? Mathieu propose, OK, on dit 4, adaptation des procès-verbaux. OK, si tout le monde est d'accord pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février, ça prendrait un proposeur. Mathieu, je pense que les autres voulaient vous lever la main un peu plus haute. Je n'arrive pas à voir vos mains. Je vois rien que le haut des visages. Ah, merci pour le rajustement. OK, Mathieu, rendu à 5, dépôt de la correspondance, le rapport annuel du Centre de services scolaires de la Grande. Attendu que tout membre du public qui désire qu'une correspondance soit déposée à une séance du conseil doit l'adresser par écrit à l'attention du maire et des conseillers et l'envoyer à la directrice générale de la municipalité afin d'en faire acte de dépôt officiel. Attendu que la municipalité de Sainte-Sophie accuse réception du rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaires de la Riveraine, il est proposé par et résolu à l'unité du conseiller présent de confirmer la réception des correspondances reçues en date du 2 mars et de poser acte de dépôt pour le rapport annuel du Centre de services scolaires de la Riveraine. Ça prendra un proposant, si vous êtes d'accord à accepter la correspondance. Jacqueline. OK. 6, rapport des élus. On va commencer par Serge. Oui, bon, pour la régie des déchets, le représentant de la firme comptable nous a fait la lecture des états financiers de la régie de 2020 par vidéoconférence, puis aucune anomalie n'en est ressortie de cet état financier-là. Si vous vous rappelez, ou en début d'année, on était supposé d'avoir un déficit assez gros au-dessus de 100 000, je n'ai pas le chiffre exact, mais dû à la COVID, il y a eu des coupures dans certains sites qui accueillaient des conteneurs de résidus verts et de matériaux de construction. On a épargné là-dessus, donc le déficit serait seulement de 5 225. Les états financiers seront disponibles à la municipalité dans quelques semaines, à moins que José l'ait déjà reçu, mais ça sera disponible sous peu. Puis, il y a quelques municipalités qui ont demandé au MAMAS de participer aux réunions de la régie parce qu'elle était en désaccord avec des votes, un vote majoritaire du déploiement des conteneurs. Suite à la discussion, le MAMAS a fait une proposition d'accompagnement pour en arriver à une entente. Puis, ils nous ont demandé un vote fort pour se présenter
une grande volonté à ce que le ménage soit là. Puis le résultat du vote a été 50-50, mettons. Fait que ça n'a pas été assez fort pour que le MAMAS prenne part aux discussions. Lundi, le 22 février, nous avons eu la démission de la présidente Caroline Aubin, qui était conseillère de la ville de Nicolet, qui était présidente à la régie. OK. Merci, Serge. De rien. OK, on va passer à Nancy. OK. Moi, vous savez toutes que je suis la Fondation Nicolette Bécancour-Yamaska. Je peux mentionner que... Fondation... Mentionner les détails concernant la 7e édition de l'activité bénéfice annuelle de la Fondation, soit un souper gastronomique, tous ensemble, chacun chez soi. Le 17 avril 2021, dès 5 heures, c'est à la résidence, dans un point de chute durant la journée, la livraison. Le coût du billet, c'est 130 $ par personne, dont 260 pour deux personnes. Une boîte repas contient deux repas. Il n'y a pas de boîte repas pour un seul repas. Un reçu pour don de charité de 200 $ par boîte repas seront remis. C'est ça, pour moi. OK. Tu devrais te régaler, Nancy. OK, merci, Nancy. Sylvie. Bonjour, voici le compte-rendu de la dernière rencontre du comité culturel de la MFC ayant eu lieu le 9 février 2021. Galard 2020, Marc-André Fortin a déposé le projet à Village Découvert dans la catégorie littérature qui devrait avoir lieu à la fin mars. Le patrimoine bâti, un appel d'offres sera préparé par Mme Taillon. Compte interactif, l'échéancier prévoit les premières actions en avril 2021. Bâtiment vedette, Mme Brisebois-Gagnon dit que l'étape de la cueillette des photos est bien avancée. 85 % sont maintenant prêtes. Un appel d'offres a été présenté au Conseil des maires le 10 février. Société historique, la subvention a été considérablement augmentée en 2021. Les trois sociétés pourront utiliser leurs 1 000 pour un usage général avec preuve de leur utilisation. Les bibliothèques, elles auront en 2021 une subvention de 400 au lieu de 300 les autres années. Donc, c'est une belle augmentation. Et banque d'images, concours photo, le projet débutera plus tard dans l'année. Et voilà, j'ai terminé. OK. Merci, Sylvie. Bienvenue. Ah! Nouvelle publication de patrimoine Bécancour. Monsieur Yves Godet, la dernière publication de patrimoine Bécancour. Il s'agit d'une brochure sur les croix de chemin et on peut se la procurer au bureau de patrimoine Bécancour au prix de 15 $. Et la prochaine rencontre aura lieu le 18 mai à 13 h. Là, j'ai terminé. Merci Sylvie. Le 18 mai devra faire plus chaud un petit peu quand même. Fait que Mathieu! Hey, hein, y a beaucoup de projets aussi qui s'en viennent bien, je pense, là. Ouais. Suivi de divers projets d'amélioration d'infrastructures en cours. Nous avons déposé plusieurs aides financières pour le projet de renouvellement de conduite dans le centre urbain, ainsi que pour la mise en onde de la station d'épuration des eaux usées. Nous avons obtenu des réponses positives et des protocoles seront signés sous peu pour officialiser les obtentions financières et notre partie de contribution. Dans le mois à suivre, nous allons déposer les appels d'offres et vous recevrez une documentation explicative sur les projets, car malheureusement, nous ne pouvons faire une consultation en public. De plus, des vidéos explicatives seront disponibles pour le visionnement sur le site Internet de la municipalité à www.municipalité-sainte-sophie.org. C'est complet. Effectivement, gros projet qui s'en vient. Oui. Merci, Mathieu. Le Conseil des maires de la MRC de Bécancour a officialisé l'amorce de la démarche liée au plan régional des milieux humides et hydrique par résolution le 27 novembre 2019. Ce plan permettra d'assurer une meilleure planification
et un développement cohérent de nos municipalités en tenant compte des milieux humides et hydriques présents, en plus de prévoir des actions pertinentes à la conservation de ces milieux et sera réalisé par l'équipe du service d'aménagement de la MRC en concertation avec les partenaires et organismes du milieu. Ce processus de concertation est essentiel. Il permettra, entre autres, d'obtenir un plan auquel tous les acteurs concernés vont adhérer, de mettre à profit votre expertise, de soulever les problématiques et enjeux propres à notre territoire. Ainsi, le service de l'aménagement sollicitera la participation des municipalités locales. Les premières rencontres se tiendront au printemps 2021 afin d'amorcer les discussions, d'exposer l'échéancier adapté en fonction de la situation actuelle, de présenter le portrait du territoire afin de le bonifier et de traiter les enjeux propres à votre municipalité. Fait que ça aussi, il y a beaucoup de rencontres qui se préparent au courant de l'année justement pour ce plan-là. Bon, fait qu'on est rendu à 7 avis de motion, des présentations et adoption des règlements. 7.1 a été reporté. Nous sommes rendus à 7.2, qui est l'adoption du règlement 18-20-21 relatif au traitement des élus et abrogeant le règlement 02-28. Considérant que conformément aux dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux, la municipalité de Sainte-Sophie a adopté le 6 février 2018 un règlement concernant la rémunération du maire et des conseillers. Considérant les fonctions de maire et les conseillers requièrent plusieurs heures de travail et comportent de nombreuses responsabilités et qu'elles sont une source de dépenses de toutes sortes pour ceux qui les occupent. Considérant que tous les conseillers membres du conseil désirent appliquer une rémunération par jeton de présence, étant dit qu'à chaque fois qu'ils siègent aux séances prévues durant l'année, telles qu'aux séances régulières du conseil et aux séances extraordinaires ainsi qu'aux séances de travail. Considérant qu'il y a lieu de réviser une nouvelle réglementation de rémunération des élus, conséquemment à ce changement, d'abroger et remplacer le règlement 02-2018. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Mme Nancy Sédomès lors de la séance régulière du 2 février 2021, considérant que le projet de règlement portant le numéro 18-2021 a été présenté lors de la séance du Conseil du 2 février 2021, considérant qu'un avis public a été donné au moins 21 jours avant la séance d'adoption du projet de règlement, conformément à l'article 9 de la loi sur le traitement des élus, et ce, le 9 février 2021. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le règlement 18-2021. Relatif au traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 02-2018. Ça prendra un proposeur. OK, Sylvie. Puis appuyé par Mathieu. OK. Nancy, ta main est complètement à côté. Je viens d'avoir passé. Ah, là, c'est mieux, effectivement. Elle est complètement dans le champ à côté. Je ne te voyais pas. OK, 7.3, adoption du règlement 13-2020, modifiant le règlement 2012-05, ayant pour objet le plan d'urbanisme. Considérant le plan d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que par application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard peut amender le dit plan d'urbanisme. Considérant le conseil municipal entend modifier le plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation institutionnelle au détriment de l'affectation mixte et d'agrandir l'affectation récréative au détriment de l'affectation agricole. Considérant que l'avis de motion a été donné le 1er décembre par l'Université de Mer, considérant qu'un avis public annonçant la période de consultation écrite a été publié dans le journal du 2 décembre 2020, considérant que la période de consultation écrite s'est déroulée du 6 janvier 2021 au 20 janvier 2021, j'ajoute à tous les prochains règlements que de plus, le second projet de règlement a été adopté au Conseil dernier. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard adopte le règlement numéro 13-2020
modifiant le plan d'urbanisme 2012-05. Ça prendra un proposeur pour ce règlement-là. Ah, Nancy! Oui, c'est correct. Là, j'ai dit ta main. OK, 7.4, adoption du règlement 14-20, modifiant le règlement 2012-06 ayant pour objet le zonage. Considérant que la loi sur le cannabis du gouvernement fédéral et la loi de resserrement, l'encadrement du cannabis du gouvernement provincial ont été sanctionnés respectivement le 21 juin 2018 et le 1er novembre 2019. Considérant que le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Sophie est en vigueur depuis le 1er août 2012. Considérant que l'application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard peut amender le dit règlement. Considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement de zonage afin d'assimiler la culture du cannabis commercial et la culture du cannabis à des fins personnelles, dont médicales, à des usages agricoles et définir des critères afin de mieux encadrer ces usages, d'agrandir des zones d'institution 02, REC 01, d'interdire spécifiquement la vente de cannabis dans la zone d'institution 02, d'autoriser l'agriculture avec l'élevage et l'agriculture sans élevage dans la zone REC 01 et de régir l'abattage des arbres dans l'ensemble du périmètre urbain ainsi que d'effectuer des corrections mineures. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 1er décembre 2020 par Mme Jacqueline M. Lambert, considérant qu'un avis public annonçant la période de consultation écrite a été publié dans le journal du 2 décembre 2020, considérant que la période de consultation écrite s'est déroulée du 6 janvier 2021 au 20 janvier 2021, ainsi que l'adoption du second projet dans le conseil antérieur, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard adopte le règlement 14-20-20 modifiant le règlement de zonage 2012-06, incluant les plans dans ces zones. Ça prendra un proposeur. Sylvie? Okay. 7.5, adoption du règlement 15-20-20, modifiant le règlement 2012-09, ayant pour objet les permis et certificats. Considérant que la loi sur le cannabis du gouvernement fédéral et la loi resserrant l'encadrement du cannabis du gouvernement provincial ont été sanctionnés, comme dit tantôt, considérant que le règlement sur les permis et certificats de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que par l'application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard peut amender le règlement, considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement sur les permis et certificats afin d'exiger qu'une copie des autorisations de Santé Canada ait une preuve de résidence lors d'une demande de permis ou de certificat pour la culture de cannabis à des fins personnelles ou médicales. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 1er décembre 2020 par Mme Nancy Sylvestre, considérant qu'un avis public annonçant la période de consultation écrite a été publié dans le journal le 2 décembre 2020, considérant que la période de consultation écrite s'est déroulée du 6 janvier au 20 janvier 2021, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard adopte le règlement 15-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats 2012-09, incluant tous les plans nécessaires. Voilà. OK. Ça prendra un proposeur. Jacqueline? OK. On est rendu à 7.6, adoption du règlement 16-2020, modifiant le règlement 2012-14, ayant pour objet les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que par application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut amender du règlement. Considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être conforme avec la modification du plan de zonage de la municipalité. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 1er décembre 2020 par Mme Jacqueline M. Lambert. Considérant que l'avis public pour la période de consultation a été
et 2 décembre 2020. Considérant que la période de consultation écrite s'est déroulée du 6 au 20 janvier 2021, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard adopte le projet de règlement 16-2020 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je dois préciser aussi que les plans qui sont joints à ce nouveau règlement sont à adopter en même temps. Ça prendra un proposeur. Nancy. OK. 7.7, adoption du règlement 17-2020, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2012-13. Considérant que le règlement sur les usages conditionnels est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que la municipalité peut amender le nouveau règlement, le vieux règlement, considérant que le conseil entend modifier le règlement sur les usages afin d'y effectuer les corrections mineures, considérant qu'un avis de motion a été donné le 1er décembre 2020 par Mme Sylvie Lambert, considérant que l'avis public de période de consultation écrite a été publiée dans le journal le 2 décembre 2020, considérant que la période de consultation s'est déroulée du 6 janvier au 20 janvier 2021. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité adopte le second projet de règlement, le règlement, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2012-13. Une petite erreur. OK. Ça prendrait un proposeur. Sylvie? OK. Bon. On est rendu à 8, l'administration générale. Dépôt des frais de kilométrage. Ça, c'est juste déposé. Il n'y en a aucun frais de déposer ce mois-ci. Ah, OK. 8.2, déclaration d'engagement, intimidation envers les élus et les élus municipaux et dégradation du climat politique dans les nombreuses municipalités. Attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus, filles et élus hommes municipaux. Attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020. Attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale et physique n'ont pas leur place dans une démocratie, et ne favorise en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques. Attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de la grande liberté, dont notamment la liberté d'expression. Attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et élue et consolide la qualité et l'autorité des institutions. Attendu que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a lancé une campagne nationale, la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ invitent les municipalités du Québec à adopter une déclaration d'engagement en lien avec la campagne nationale par le biais de leur conseil municipal. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect par respect pour la démocratie et que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que tous les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie et consolider la confiance envers les institutions démocratiques et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Ça prendrait un proposant, si vous êtes d'accord à ce qu'on... OK, Nancy propose? Oui. OK. 8.4,
8.3, oui. Ouverture du poste secrétaire et adjointe. Considérant que Mme Annick Lambert, occupant le poste de secrétaire et aide au développement, réduit sa disponibilité de travail à environ 10 heures par semaine. Considérant qu'il y a une réorganisation des tâches aux différents postes et qu'il y a un poste à temps plein comblé. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des membres du conseil de la municipalité que lance un appel de candidature pour un poste secrétaire adjointe administrative sur une base d'environ 35h30 par semaine, selon la description de tâches publiques. Madame la proposeur, Mathieu, OK. 8.4, restauration des planchers d'usine au bureau municipal. Considérant que les bureaux sont utilisés tout le long de l'année et que l'entretien des planchers de bois d'origine se doit d'être entretenu afin de préserver le patrimoine du bâtiment. Considérant que l'entreprise Plancher Nupier de Lobinière est spécialisée pour réaliser la restauration des planchers, qu'il a proposé une soumission à 4 $ du pied carré, incluant le sablage, la couche de scellant ainsi que les couches de vernis de qualité, et que nous avons près de 496 pieds carrés à faire de pressant. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents de donner le mandat à la compagnie Plancher du pied pour la réalisation de restaurer une partie des planchers du deuxième étage pour un montant d'environ 1984 plus les taxes. Ça prendrait un proposeur. Sylvie? OK. 8.5, achat d'une armoire de rangement. Considérant qu'à la municipalité, on a besoin de racheter une armoire de rangement afin de ranger des documents et de la réserve papeterie. Considérant qu'à l'accueil, une grande armoire en bois serait plus pratique que l'armoire en métal, plus grande. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser l'achat d'une armoire en bois au montant de 450 $ transport inclus. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Jacqueline? Oh. 8.6, appui envers campagne vers les collectivités durables. Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin d'avoir accès à des services bancaires, car de milliers de villages et de municipalités rurales n'ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d'une banque postale. Attendu qu'au Canada, des milliers de personnes n'ont pas accès à Internet à haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à un service à large bande. Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Attendu que pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Post-Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de véhicules. Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l'ensemble du pays, sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefour communautaire. Attendu que les facteurs et factrices de Post-Canada, tant au milieu urbain qu'en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu'elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible. Attendu que Post-Canada est tenu de faire sa part pour mettre en place une relance après pandémie qui soit juste. Attendu que le rapport intitulé « La voie à suivre pour Post-Canada » déposé dans le cadre de l'examen du recommande dans l'examen du service postal, publié, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, il recommande que Post-Canada diversifie ses services et qu'elle les adapte aux besoins de la population qui sont en constante évolution. Attendu que le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, grâce à sa campagne par des collectivités durables, propose une vision du service postal à l'ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ses besoins et bien davantage. Donc, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que Sainte-Sophie-de-l'Évrard
appuie la campagne vers des collectivités durables et que soit transmise à la ministre des Services publics et de l'approvisionnement, l'honorable Anita Arnand, une copie de la présente résolution. Donc, ça prendra le proposant, si vous êtes d'accord. Nancy propose. OK. Bon, on est rendu à gestion financière, fondation des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Est-ce que tout vous semblait conforme? Ça prendrait un proposant, si vous êtes d'accord. Mathieu propose. OK. Rendu à 10, sécurité publique et civile, rapport annuel d'activité incendie 2020. Considérant que la municipalité doit produire un rapport annuel d'activité municipale qui décrit une planification du plan de mise en œuvre, le PME. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard accepte tel quel que produit le rapport annuel des activités incendie municipal 2020 et qui sera présenté au ministère de la Sécurité publique par la MRC de Bécancour. Ça prendra un proposant. OK, c'est Jacqueline. OK. Transport, réseau routier. Pardon. Signature du protocole d'entente relatif pour dossier 2027-123, Fimo. Considérant que la municipalité a reçu le protocole d'entente relatif à l'octroi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le Fimo, le 4 février 2021. Considérant que pour le ministère soit en mesure de maintenir les crédits réservés aux fins de cette aide financière, un exemplaire de ce protocole devra être dûment signé et retourné dans les 60 jours de sa réception et être accompagné d'une résolution autorisant sa signature. Donc, nous avons besoin de « il est proposé par et appuyé par » et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la signature du protocole d'entente par le maire, M. Jean-Guy Baudet, et de retourner l'exemplaire de ce protocole dûment signé dans les délais prescrits. Donc, ça prendra un proposeur, Mathieu propose, appuyé par Aïssé. Jamais tu lèves la main, toi aussi, tu es complètement dans le cadre de l'écran. Lève la main gauche. Devant toi. Lève la main gauche. OK. Bon, lève les deux, ça fait pareil. Mais je pense. Bon, là, je vais aussi apparaître quelques doigts dans le cadre de l'écran. Oh, peut-être. Fait que c'est appuyé par Serge. OK. On est fait. On est rendu à 11.2, signature du protocole d'entente relatif au dossier 20-25-127, primo, volet 2. Alors, même chose. Considérant que la municipalité a reçu un protocole d'entente par le MAMACH, pour l'aide financière dans le cadre volet 2 du programme fonds pour l'infrastructure municipale d'eau qui s'appelle le Primo, celui-là, le 23 février 2021. Considérant que pour que le ministère soit en mesure de maintenir les crédits réservés aux fins de cette aide financière, l'exemplaire de ce protocole est presque prêt à signer. Donc, il manque seulement la résolution. Donc, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la signature du protocole d'entente par le maire, M. Jean-Guy Baudet, et de retourner l'exemplaire dûment signé dans les délais prescrits. Ça prendra un proposant, Benoît Pierre, Sylvie et Nancy. OK. 11.3, modification, rédition de compte de RIL 2018-760. Considérant la résolution portant le numéro 220801-2021, indiquant le total de dépenses pour la réalisation des travaux visés par l'aide financière du projet de réfection durant Saint-Antoine-Ouest, qui sont bien terminés et ont été réalisés avant le 31 décembre 2020, considérant qu'une dépense importante omise peut s'ajouter à cette rédition de compte au programme d'aide financière et que la somme de redevances va réduire conséquemment. C'est environ 4 000 $ de moins.
Alors, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unité des conseillers présents que soit mandatée Mme Josée Croteau, directrice générale, pour transmettre ce document correctif et demande au ministère afin que soit considérée la dite dépense additionnelle d'un montant de 4 498 $ de réduction de redevance de l'aide versée en trop de ce programme RIRE. Dans le fond, on doit un retour de sous parce qu'ils nous avaient donné un trop perçu. Donc, au lieu de donner environ 19 000, ben, on va baisser d'un autre 4 000. 4 000. Voilà. Ça prendra ça aussi un proposeur et appuyé par. Voilà, c'est ça. Qui propose? Jacqueline propose, appuyé par Mathieu. OK. De 11.4, achetant une cible, mettons. Attendu que la municipalité a besoin d'une découpeuse à 10 de 14 pouces avec chariot pour faire une bonne préparation de tranchée lors des travaux de remplacement de ponceau et afin d'éviter d'en louer une à chaque fois. Attendu que nous avons demandé au fournisseur que la proposition doit inclure dans le prix la découpeuse de 14 pouces, le chariot, le réservoir à l'eau, la trousse de montage ainsi que la lame diamantée. Donc, à location d'outils Saint-Grégoire, 2 899,99 plus taxes. À LTR location, 2 428,85 plus taxes. Et à Groupe Lambert Québec, 2 363,17 plus taxes. Alors, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser l'achat de la découpeuse auprès de Groupe Lambert Québec au montant de 2 363,17 plus taxes. Ça prendra un proposeur. La lame, ça va être une découpeuse à asphalte et non à béton? Oui, mais elle va pouvoir faire quand même les deux. On change juste la lame. Là. On en a de la lame à béton aussi. Oui, mais la lame inclue dedans, ça va être une lame, j'imagine, qui va découper au moins de l'asphalte. Oui, effectivement. Parce que du béton, on n'en découpe pas bien vraiment. Oui, effectivement. Mais ça, on en a déjà des lames au garage. Là. Oui. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Oui, mais ça comprend une lame au diamant, j'imagine. Oui, diamanté. Diamanté, mais pour l'asphalte. OK. Fait que c'est beau? Mathieu propose? OK, c'est beau. 11.5, achat de panneaux de sécurité et de signalisation. Attendu qu'il manque certains panneaux de barricades avec pesée et de cônes de sécurité. On s'en est fait voler à peu près 8 cette année. Attendu que nous avons demandé des prix à deux fournisseurs, dont Signalisation Lévis et Spectralite Signaux Plus. Donc, Signalisation Lévis, 2 757,70 plus taxes. Et Spectralite Signaux Plus à 2 421,02 plus taxes. Donc, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser les achats de panneaux de sécurité et de signalisation du fournisseur Spectralite Signaux Plus au montant de 2 421,02 plus les taxes et les frais de transport. Fait que ça prendra un proposeur. Serge? OK. Ta main n'est pas très visible encore. J'ai juste passé les doigts. Ta droite. Okay. Enlève-moi, là. Ah, ça, c'est mieux. OK, on est rendu. Un petit peu, là, pour changer de feuille. Okay. C'est reporté, le sujet est reporté, c'est ça? Est-ce que je vais me donner la feuille? 11.6 est reporté. Reporté. Alors, on est rendu à 12. OK, c'est juste que là. Ah! OK, c'est bon. Hygiène du milieu, santé, bien-être, achat de trousses de premier soin. Attendu que de nouvelles normes sont applicables en ce qui a trait au matériel et équipement qui devront se trouver dans les trousses de premier soin utilisées dans les véhicules et équipements municipaux. Attendu que nous avons demandé à l'entreprise SP Médical une soumission des besoins aux trousses. Il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'effectuer l'achat, d'autoriser, c'est-à-dire l'achat du matériel manquant auprès de SP Médical
au montant de 204,83 afin de rendre conforme l'ensemble des trousses de premiers soins selon les nouvelles normes applicables par la CNRSST 2021. Ça prendrait un proposeur. Sylvie? OK. C'est rendu 12.2. Participation à l'activité bénéfice Fondation Santé de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Attendu que chaque année, la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska réalise une activité bénéfice et que pour la 7e édition, ça sera sous forme de souper gastronomique, tout ensemble, chacun ses choix, qui sera en formule de boîte au lunch. Comme Nancy a parlé tout à l'heure, c'est dans les mêmes dates. Attendu qu'un reçu pour don de charité de 200 par boîte repas sera remis. Donc, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents que Mme Nancy C. Demers participe à l'événement bénéfice au nom de la municipalité de Sainte-Sophie, afin d'encourager la levée du fonds annuel de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. Comme Nancy disait, c'est grâce à eux qu'on a beaucoup de choses en place. Donc, ça prendrait un proposeur. Mathieu propose. OK. OK. Bon, on est rendu à 13, aménagement urbanisme et développement. Permis de février. 2021. Un permis de construction fut émis et deux permis de rénovation. Quand même, le tout pour une valeur de travaux de 415 000 ainsi que 45 $ en coût de permis. Bon, c'est que ça pour le proposeur 12.2. Conformité au règlement 13-20 modifiant le plan d'urbanisme 2012-05. Considérant que lors d'une séance tenue le 2 mars, le Conseil a adopté le règlement 13-20-20 modifiant le plan d'urbanisme 2012-05. Considérant que par application de l'article 110.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard doit, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan d'urbanisme modifié. Considérant que le règlement de concordance numéro 14-2020 modifiant le règlement de zonage 2012-06 a bien été adopté aujourd'hui en la séance du 2 mars 2021, considérant que le règlement de concordance 17-2020 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2012-13 a été adopté aujourd'hui à la séance du Conseil 2 mars 2021, considérant que le règlement de concordance 16-2020 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2012-14 qui a bien été adopté aujourd'hui au Conseil du 2 mars 2021, considérant que par application de l'article 110.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité l'un ou l'autre de ces règlements prévus aux sections 7, c'est ça? 11? Du chapitre 4, où son règlement prévu à l'article 116 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme n'a pas été modifié pour le rendre conforme, au plan d'urbanisme, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard indique que le règlement de lotissement 2012-07, le règlement construction 2012-08 et le règlement sur les conditions d'édition de permis de construction 2012-10 n'ont pas à être modifiés pour le rendre conforme au plan d'urbanisme. Voilà. Ça prend un proposant. Jean-Claude? OK. On est rendu... 13.3. Appui à l'organisme uni pour la fonde. Considérant que la municipalité est une destination de choix pour les amateurs de chasse aux chevreuils et que cette activité est un apport économique important. Considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement ravage par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies.
Considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de leur cheptel de chevreuil soient annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâles et femelles. Considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et de l'industrie. Considérant que selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse aux chevreuils vendus est passé d'environ 170 000 en 2007, c'est-à-dire à 130 000 en 2019. Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec. Considérant qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Fonds des forêts et des parcs en 2018 relève qu'environ 72 % des chasseurs sont favorables à l'introduction des mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté de panache, considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnant entre autres que ces expérimentations de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur leur maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable. Considérant que le ministre de la Fonde des forêts et des parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le troisième alinéa de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, au chapitre article 18.1, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire toute personne ou tout organisme qui l'estime nécessaire. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu unanimement des membres présents que la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard appuie l'organisme uni pour la Fonde, UPF, et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Fonde et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois. Qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 2020-2027 du MFFP, d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par UPF ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé. Que l'organisme uni pour la Fonde UPF soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Ça prendra un proposeur, Mathieu. OK. 13.4 a été reporté. 13.5 aussi. 13.6 aussi. On est rendu à 13.7. Mandat simulation énergétique. Attendu que dans le cadre du projet Le Carrefour 1901, visé dans l'ancienne église de Sainte-Sophie, la municipalité désire augmenter son efficacité énergétique et réduire ses émissions de GES et se conformité avec les démarches en développement durable à ce jour réalisées par l'administration de Sainte-Sophie-les-Morts. Attendu que le bâtiment actuel nécessite des travaux de rénovation et restauration remis aux normes et qu'à travers ceux-ci, une planification des mesures énergétiques peut être réalisée afin d'établir les moyens les plus adéquats et efficaces pour atteindre les objectifs visés. Attendu que l'entreprise Ephénix Innov, travaillant déjà sur le projet du Carrefour 1901, est en mesure de réaliser une simulation énergétique pour l'église et ce au montant de 10 500 plus taxes. Attendez, c'est pas rien. Cette entreprise propose le livrable suivant. Il va y avoir une étude préliminaire à partir du 26 mars qui est proposée au niveau de la géométrie, tout le détail du modèle, le calcul des enveloppes de densité, un système de mécanique proposé,
un système de mécanique de référence CNEB 2011 avec l'indication des contrôles de qualité. Et ça se poursuit avec une étude finale qui sera en avril, ajustement du modèle et rapport final déposé pour tous nos programmes dans lesquels on demande un aide financière. Donc, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents de mandater la firme Phoenix Inov pour la réalisation de la simulation énergétique au montant de 10 500 plus taxes. Est-ce que vous êtes d'accord sur le même proposant? Nancy? OK. Choisir les cultures. Demande de financement du patrimoine canadien, Fonds du Canada pour les espaces culturels de Carrefour 1901. Attendu que la municipalité désire favoriser la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine bâti qui lui est propre, et ce, dans une perspective de développement durable. Attendu que le Conseil du patrimoine religieux du Québec a réalisé en 2003 un inventaire des lieux de culte du Québec afin d'identifier les immeubles représentant un fort intérêt patrimonial et ainsi reconnu la valeur de l'église de Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Attendu que les membres du conseil de la municipalité se sont dotés en juin 2018 d'un conseil local du patrimoine en vertu de l'article 154 de la loi sur le patrimoine culturel et que depuis, certaines consultations publiques furent réalisées afin d'évaluer les besoins du milieu tout en s'assurant de préserver le patrimoine bâti que représente l'église. Attendu qu'en décembre 2019, la municipalité est devenue propriétaire de l'église. Attendu que la municipalité ainsi que le conseil local du patrimoine désirent poursuivre leur démarche pour la réalisation du projet Le Carrefour 1901. Attendu que le projet vise à assurer une conservation du bâtiment par la restauration, la rénovation, la remise aux normes de celle-ci. La mise en valeur des caractéristiques patrimoniales est également un axe priorisé et les travaux prévus en tiendront compte. Attendu que le projet dans son ensemble vise à requalifier cet ancien lieu de culte vers de nouveaux usages, répondant aux besoins réels de notre communauté, en palliant ainsi diverses problématiques actuellement vécues au sein de la municipalité, tout en offrant de nouvelles possibilités. Attendu que le projet se veut axé vers les arts de la scène, la culture sous toutes ses formes, que ce soit de la diffusion, de l'incubateur formation, et qu'il est appelé à devenir une signature pour la région à travers une spécialisation en robotique art visuel qui serait offerte. Attendu que certaines démarches soient réalisées à ce jour par la municipalité, mais que le projet est encore dans les premières étapes de la phase de planification. Attendu que les fonds du Canada pour les espaces culturels et du patrimoine canadien peuvent être une source de financement pouvant possiblement s'appliquer afin de financer le projet de Carrefour 901. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de Sainte-Sophie-de-l'Évrard autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de Patrimoine canadien dans le cadre des fonds du Canada pour les espaces culturels et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Et que soit mandatée Mme Josée Gâteau, directrice générale, et Mme Julie Pellerin, directrice générale adjointe, pour le dépôt de cette demande de financement, qu'elle soit autorisée à agir auprès du patrimoine canadien. Et que M. Jean-Guy Baudet, maire, et Mme Josée Gâteau, directrice générale, soient désignés comme signataires du protocole d'entente officielle, s'il y a lieu. Ça prendra un proposeur, Sylvie. As-tu une heure pour le 3 mars? C'est juste. Ah oui, c'est une erreur. Oui, effectivement. Merci, Nancy. Il n'est pas que là, hein, José, tu vérifieras partout. Il y a quelques places. Oui, je vais y jeter un coup d'œil parce qu'habituellement, on indique que c'est certifié conforme quand je le signe. Puis elle a oublié de. En tout cas, il a été oublié d'être enlevé le 3 puis marqué adopté le 2. Mais c'est ça. C'est dans les résolutions que moi, je peux le signer que demain. Fait que c'est marqué le 3 pour demain. C'est pour ça que ça a été confondant, peut-être. OK, merci, les filles. OK, on est rendu à Varia. Il y avait rien au Varia. On va se faire des questions. On peut la feuille. On va faire 5. Il y a des questions.
OK. Pour la période de questions pour le sujet du conseil ordinaire du 12 janvier dernier, aucune demande par écrit n'a été soumise concernant les sujets de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je mentionne que les citoyens peuvent transmettre leurs questions par téléphone ou par courriel sur les heures d'ouverture du bureau. Et je rappelle que tous les ordres du jour, les procès-verbaux, les projets de règlement sur le groupe de garde du bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. Bon, fait qu'on est rendu à lever de l'Assemblée. Serge? Donc, la fin de l'Assemblée close à 20h38. Ça termine à 20h38. Merci à tous. Bonsoir tout le monde. Okay, voilà. La rassemblée est finie.